Salut, nouvelle vidéo, je vous explique, on est le 20 août, je viens de rentrer de vacances, c'était très dur le retour. Et là, lundi matin, 8h30, vous voyez ce petit hangar là, c'est le début de la fin. Je vous explique tout ça, mais en gros, je vais sauter seul en parachute, c'est parti. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. Voilà, donc je suis à côté de Lyon. En gros, je vous explique, j'ai passé ce qu'on appelle la PAC. C'est-à-dire, ça permet de sauter en parachute tout seul. Donc d'abord, il va y avoir une théorie pendant 7-8 heures, je crois. On va nous expliquer les dangers, les risques, comment plier sa voile, un petit peu, je crois, ce genre de choses. Et après, ce soir, c'est le premier saut. Et ce qui fait flipper, c'est que dès le premier saut, vous sautez seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière vous. Juste, bien sûr, il y a des gens à côté qui vont vous guider, tout ça, mais vous sautez tout seul. Bref, vous allez voir, à mon avis, ma tête. Mais je ne suis pas trop quelqu'un de stressé, mais là, j'avoue quand même, j'ai un peu le trac. Ça et le saut à l'élastique, je pense que c'est les trucs qui m'ont mis le plus le trac dans ma vie. On a deux poignées devant. Une qui va libérer la voile principale et une qui va ouvrir le parachute de secours. Le parachute à la voile, ok. Et là, ça continue à tirer. C'est des suspentes, donc descendre sur un angle à peu près comme ça. Dès qu'on va tirer dessus, on va appeler ça l'arrondi. On va arrondir la trajectoire. Et mardi matin, retour donc au centre de parachutisme. Donc j'explique, hier on n'a pas sauté. Je pensais qu'on avait sauté le premier jour, on n'a pas sauté, l'avion était en révision. Donc hier on a surtout vu la sécurité, voilà, pas mal l'explication, qu'est-ce qui se passe si votre parachute il s'ouvre pas ou s'il s'ouvre mal, comment ouvrir le parachute de secours, etc. Donc ça met le trac et en même temps c'est un peu rassurant parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités pour s'en sortir. Donc voilà, il y a très peu d'accidents en vrai. Et là aujourd'hui on va voir comment plier sa voile. Donc c'est nous qui plions notre propre voile. Donc voilà, ta voile principale, c'est toi qui la plie. Voile secondaire, c'est fait par un pro. Mais d'un côté, c'est rassurant au moins. S'il y a un souci, c'est de ma faute et je peux en vouloir à personne. Et peut-être ce soir, on saute si l'avion il est rentré, sinon ça commencera demain. Et juste au niveau pression, juste des fois de se mettre en situation, de se dire, bon là, vous imaginez, vous êtes au bord, la porte vient de s'ouvrir, vous devez sauter. Des fois, il y a des montées de pression, c'est chaud. Après, ça va, ça passe, mais on verra demain ou ce soir si on saute ce soir, mais je pense que ça va être intense. Vous allez rigoler à mon avis en voyant ma tête. Allez, on avance un petit peu les bras. On tend les jambes. Allez. La suspente dans l'anneau. Approchez. Ok, là c'est parti. Mercredi matin, à peine plus que 8h. Je saute dans les premiers. Donc ça veut dire que normalement à 9h je saute. Premier saut. Seul. C'est parti. Bon, là il n'y a plus le choix. L'avion il est bien revenu de réparation. Normalement tout va bien, il vole. Et là derrière c'est le hangar, on va se préparer. Donc combinaison, bien sûr parachute, petit casque, je sais pas pourquoi, mais peut-être au cas où si tu heurtes un truc en l'air ou quoi. Et altimètre pour savoir à quelle hauteur on est. Allez, courage. Bon voilà, combinaison en place, bleu et le sac numéro 23. J'espère que ça va me porter chance. Et les lunettes, j'avais oublié les lunettes. Donc voilà, c'est un sport de beau gosse. Classe ou pas? Le swag. C'est parti. Ok, c'est parti, je suis prêt. La radio, l'altimètre, la pression. Place where we can go, where it's always shining like the sun.
saut de fée, bon petit débrief. Dans l'avion, forcément, un peu d'appréhension. En même temps, on a envie. Et quand ils ouvrent la porte, on se dit, putain, mais faut que je saute. Même si on se dit c'est haut et tout, on voit le sol. C'est quand même impressionnant. Donc, faut vraiment c'est déconnecter un peu. On saute, on a le premier saut, on a un moniteur de chaque côté. Donc, c'est quand même vachement rassurant. Moi, ça allait. Franchement, je me disais, ah, ça va, je suis à peu près droit. Il m'a dit, fais une simulation donc, pour ouvrir le parachute. Et là, je trouvais pas la poignée. Une seconde, deux secondes. J'avais l'impression que c'est une éternité. Et en fait, il me prend la main, il me l'a mis. J'ai l'impression qu'elle était pas du tout à l'endroit où j'avais appris. Mais bref, du coup, voilà, ça m'a mis un petit coup de chaud en l'air. Et puis ça va quand même très très vite, ça passe très très vite. Donc on se retrouve vite à 1500 mètres et là, il faut ouvrir. Il m'a dit que j'avais ouvert un peu tard, je pense que j'étais un peu lent. Et puis voilà, je voulais kiffer quoi. Et après, sous voile, avec le parachute, c'est plutôt tranquille. Donc là maintenant, je vais faire des sauts avec un seul moniteur. Je vais en enchaîner. Et là, ça va être essayer de bouger un peu, essayer de se restabiliser tout seul. Bref, vraiment, c'est que du bonheur. Un gros coup de pression, mais pff, c'est magnifique. Voler. Il n'y a rien de mieux au monde. On part dans le monde et on y va. Journée jeudi matin, donc petit débrief sur hier. On a fait trois sauts, enfin j'ai fait trois sauts. Donc le premier saut, en gros, vous apprenez un peu à tomber, à vous mettre en bonne position. Deuxième saut, on cherche un peu à tourner, à se déplacer légèrement de droite à gauche. Donc bon, des fois je tournais, c'était pas volontaire, mais voilà, ça commence à venir un petit peu. Et troisième saut, c'était départ sur le dos. Donc tu restes sur le dos, il te tient quelques secondes sur le dos comme ça. Donc tu vois l'avion qui s'éloigne, tu vois pas le sol. Ça met un petit coup de pression, mais c'est kiffant à faire. Et voilà, on s'arrêtait là, trois sauts. Et là, c'est parti, normalement, 3 à 4 sauts aujourd'hui. Et le premier, c'est un départ en boule avant, comme un salto. Aujourd'hui, c'est très 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 lourd. Donc voilà, je vous explique, je ferai un bon débrief à la fin. Mais en gros, là, j'ai fait mon saut 4 et 5 ce matin. On a mangé là. Pff, ça devient très très lourd. Les trois premiers, on est vachement tenu. Il y a plus de maintien, pas justement au niveau du moniteur. Donc on sent moins quand même si on est bien placé ou pas. Et là, au niveau 4e, 5e, on est vraiment plus libre. Lui, il fait une figure, il dit à toi, un salto, une vrille sur le côté. Bon, forcément, c'est un peu plus dur de se remettre stable. Mais voilà, on commence à kiffer les départs en salto et tout. Et là, je vais faire mon 6e saut. Donc, c'est le dernier où je suis vraiment accompagné avec un moniteur. Et il m'a dit, le départ, tu fais ce que tu veux. Donc, je vais essayer de faire une torpille.
et jusqu'à 2500 mètres, tu fais ce que tu veux. Donc en gros, on part de 4000 jusqu'à 2005, tu fais ce que tu veux. De 2005 à 2000, tu bouges un peu droite-gauche, mais c'est tout. Et on ouvre à 1005. Donc après, de 2000 à 1005, pareil. Tranquille, tu te prépares et on ouvre à 1005. Voilà. Et après, sous voile, bah, vous n'avez pas vu, mais je pense que c'est kiffant. Si vous tirez bien fort sur un côté, ça fait bien tourner. Les deux en même temps, ça te fait freiner. D'un coup, tu redescends un peu. Bah, voilà, nous, c'est des voiles école, donc ça reste très léger. Mais il y a de quoi se faire plaisir aussi. Bon bah retour à l'entrepôt, on s'est préparé et tout, mais voilà, il y a des gros orages qui arrivaient, donc là-bas c'était bleu à peu près, ça va très vite, et là il y avait les orages, donc c'est annulé. C'est-à-dire que je suis au milieu de la piste, attendre l'avion, et retour à pied, voilà, annulé. Ça va enchaîner ou pas? Je sais pas. Ok, je sais pas. Allez, comme tu veux. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. Bon, et voilà, retour à l'appart, donc on va faire un petit débrief sur tout ça. J'étais en train de regarder les vidéos là avec Julie. Pff, ça fait kiffer de revoir ça. Donc j'ai fait 6 sauts, donc vous avez vu 2 jours de formation plus théorique. Il y en a qui peuvent sauter des fois le premier ou le deuxième jour, donc il n'y avait pas l'avion. Il était en révision. 3 sauts hier, voilà, on apprend un peu la technique et tout. Et 3 sauts aujourd'hui où vraiment je peux me faire plaisir. Des saltos avant, des saltos arrière, des tours sur les côtés. Tant qu'on arrive à se remettre droit, c'est bon. Demain matin, j'y retourne, j'ai encore un saut dans le pack de compris dedans où vraiment par contre saute seul, donc ce sera pas filmé. Et puis bon bah je vais en refaire un ou deux aussi demain. Voilà, le but c'est d'arriver quand même assez vite à 20-30 sauts, prendre un petit peu plus l'habitude et puis kiffer quoi, c'est vraiment très très lourd. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous aura donné envie, que vous avez kiffé, que vous aussi vous kiffez tout ça. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.